C'est ma minute, l'astuce du jour de Sémaphore. Introduction. Grâce à Sémaphore, vous pourrez désormais accéder à une recherche tout en un, interrogeant à la fois les ressources physiques de la bibliothèque, mais aussi, et c'est la grande nouveauté, les nombreuses ressources accessibles à distance. Voici une rapide présentation de l'interface. Les menus. Accès aux ressources en ligne vous dirige vers la page répertoriant les ressources en ligne proposées par la bibliothèque. Sélection thématique et nouveautés. Vous présente les documents de la bibliothèque mis en avant selon diverses thématiques, ainsi que la liste des nouveautés mensuelles. Suggestion d'achat. Vous cherchez un document mais vous ne l'avez pas trouvé à la bibliothèque? Faites-nous votre proposition via un formulaire. Emprunter hors UTBM et UBFC. Vous avez besoin d'un document qui se trouve dans une autre bibliothèque? À Paris, à Marseille, à Angers? Cet onglet vous redirige vers la page d'information et le formulaire de demande de prêt entre bibliothèques. Site web de la bibliothèque. Retour au portail de la bibliothèque pour retrouver les actualités, les horaires, les informations pratiques, etc. Vous trouverez ici la fenêtre de saisie de votre recherche ainsi qu'un accès à la recherche avancée. La fonctionnalité de la recherche fera l'objet d'une autre capsule. Pour accéder à votre compte lecteur, cliquez sur « S'identifier ». Vous pourrez gérer vos prêts et les prolonger, suivre vos demandes, consulter vos favoris ou encore faire de la veille sur vos recherches. Cet onglet vous sera proposé dans une autre capsule. Un seul conseil, pensez toujours à vous identifier lorsque vous utilisez Sémaphore pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités disponibles. À bientôt !